Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Dark Souls 2 sur PS4. Alors avant de continuer l'exploration, j'ai retrouvé la flamme pour ce forgeron. Alors qui n'est pas dans la forteresse de fer, contrairement au jeu original. Là elle était dans la forteresse oubliée. Bon, donner la braise mourante, oui. Ouais, il parle tellement bas, j'entends rien. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut lui acheter? On peut lui acheter des armes. Une hache à deux mains, non, ça m'intéresse pas. Le bouclier non plus, quoique il a 100 défense physique, je crois que c'est vraiment pas mal. Sinon le reste, non, y a rien d'intéressant. On peut lui acheter des flèches. Et des grandes flèches, ça c'est cool. De la poudre, grand fragment, ok. Qu'on peut acheter à l'infini apparemment, ça peut être cool aussi. Hop, donc je suis là, ok. Je ne suis pas tout seul sur le live, ça fait plaisir. De toute façon, on démarrage souvent, il n'y a pas grand monde. Un fusée arme. C'est-à-dire... C'est ça l'enchantement. Alors supposons... Ouah, mais ça diminue les dégâts physiques. Non mais allô. Putain, je peux la ramener à zéro. Non, mais... Comme si j'allais la ramener à zéro. Ah, après... Ah, j'hésite. Hein. Je peux provoquer du saignement ou alors renforcer les dégâts de base, tout simplement. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais pas l'enchanter, parce que le problème en l'enchantant... C'est que selon les ennemis, je risque d'avoir des problèmes. Enchanté, mais ça change rien. Bon, on va mettre ça, voilà. On peut cumuler les trucs ou pas? Je crois pas. Ok, bon bah elle est brute, donc elle a gagné des dégâts. C'est déjà ça. Ok, bon. Je verrai plus tard si j'améliore une autre arme. Pour l'instant, c'est pas ce que je cherche. Coucou Soso, salut. Alors, on va aller explorer par là-bas. J'ai accès à une nouvelle zone par ici. Punaise. Il m'a quand même touché, saloperie. On n'est pas beaucoup. Oui, mais c'est le début. D'ici un quart d'heure, il devrait y avoir un peu plus de monde. D'accord. Le mec doué, hein. Je passe à travers, je sais pas pourquoi, c'est génial. Un peu d'herbe, parfait. Donc on va retourner par là-bas. Oui, je vois que la porte est ouverte. Ok, donc c'est à partir de là que j'ai accès à une nouvelle zone. Donc on va aller regarder ça. Tiens, bah maintenant je le tue super facilement. Tellement agréable ça. Bonjour tout le monde, tu as fait le Dark Souls 1. Je l'ai fait mais il y a très très longtemps. Par contre j'avais pas fait le 2 sur PS3. Donc j'en ai profité pour acheter la version PS4 directement. Putain, on me tire dessus. Cassez-vous. Ouais non, je vais pas prendre de risque en passant par la corniche. C'est un coup à tomber ça. Est-ce qu'il y a du peuple en bas? J'ai pas regardé. Oui, il y a des chiens. Ah, on m'agresse. Chut. Putain, heureusement. J'ai une arme assez cool. Ouais, j'ai un niveau un peu élevé là pour la zone. Du coup, on va aller tuer les arbalètes là. Elles nous font caguer. What? Ah, mais c'était lui. D'accord. Bon bah je suis monté pour rien. Ok. Hop. On va aller voir par là. Y'a rien. Ok. Pourquoi y'a du sang là? Le coffre, c'est un piégé. Non? Bon déjà y'a pas dedans.
Non mais c'est ça, il y a lui. Putain, mais d'où ? D'où. Lui, il est chiant, lui. Je le crains, lui. Le poursuivant, là. Bâtard, là. Bon, je commence à avoir l'habitude de l'affronter, donc ça va sur certains patterns. Mais sur d'autres, c'est un peu plus embêtant. Ça, par exemple, c'est très facile à contrer. Il n'y a même pas besoin de rouler. Ça, par contre, ça va être... Oh, non, ça va, il a pas enchaîné avec son coup de bouclier. Bon, bah, au final... Ah non, il est pas encore mort. Van ! Voilà, je commence à faire du caca, je le croyais mort, du coup, j'ai relâché la tension. Ah, mais là, il a fait 15 000 fois la même attaque. Ça ne sert à rien, voyons. Ouh, titanite scintillante. Ça, c'est cool. Alors, anneau convoiteux, serpent argent. Rien que ça. On va regarder ce que ça donne. Putain, je commence à en avoir des bagues. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Un anneau en argent représentant le serpent. Ok. Mais ça sert à quoi? Ah, plus d'âme! Ah, ça c'est cool ça. On a le droit de te tutoyer. Ah bah, aucun souci. Faut certainement pas me vouvoyer. Non, non. Alors, plus d'âme. Anneau de l'âme, pardon. Je voulais juste vérifier ce que c'était. What? Ah, c'est ça que j'avais. Info-objet. Non, mais je veux l'effet. Ok, ça augmente les dégâts. Non, ça, on reprend. Anneau de rétablissement. Protection d'acier. Améliore la défense. Ah, mais tout est intéressant, là. C'est dommage. Bon, alors, je m'enlève de la vie. Ah, punaise. Améliore les attaques physiques. Ah là là. J'enlève cet effet. Parce que je crois pas que l'effet soit très important et très significatif. Vu qu'on meurt tellement vite dans ce jeu. Alors par contre du coup... Qu'est-ce qu'il me raconte l'autre ? Du coup il y a rien à faire ici. C'est juste ça, un coffre un peu caché. Mais alors il y a toujours un item inaccessible. Ah bah, il y en a un là aussi. What? Comment je suis censé y aller? Salut Soso et le live, hello. Oh punaise. J'ai pas tout exploré, mais je vois pas où aller là. Je ne sais pas. Bon, je pense qu'on va changer de zone. On va pas rester ici. J'ai quand même récupéré un anneau intéressant, ça c'est cool. À moins... me dis pas qu'il faut sauter du haut de la tour quand même. Il survivrait pas. Ah, quoique. Comment on passe là? Je peux pas revenir en arrière? Oh, crottin. Nous en kikine. Non, la tour est trop loin. Quoique... Bon, je vais tester un coup, on verra si ça marche pas, tant pis. Mais tant que je suis là, autant en profiter. Je vais juste me téléporter à l'aide du feu. Hop, salut. Pourquoi là, tu n'utilises pas OBS? Parce que là, j'ai le boîtier directement branché à la console. C'est beaucoup plus pratique. Le problème, c'est que si j'utilise OBS pour... live sur console... La qualité sera vraiment dégueulasse. Sur PC ça me dérange pas trop, mais sur console je trouve ça dommage. Parce que... je sais pas. Faudrait que je tente de voir si je peux live-er avec OBS et enregistrer en même temps avec le boîtier. Mais ce serait peut-être trop demandé à mon PC. J'en sais rien du tout. La tour lointaine. Est-ce que c'est là que je veux aller? Je sais plus. Après OBS, faudra que j'expérimente un peu ce que je peux faire quand je suis sur PC. Et voir si je peux m'en servir là sur... sur les lives PS4. Tac, oui c'est par là que je voulais aller je crois. Hop. Non c'est pas là, je voulais aller en haut, en haut. Comment on va en haut?
Hein? Là, il peut pas me rejoindre de toute façon. Normalement, il est bloqué de son côté. Gemme de vie, ok. Ok, ok. Mais il y a toujours un item inaccessible. Hein. Putain, j'ai peur de tomber. Ouh, putain. Ah, parce que je peux pas escalader, là. Bon, bah, il y a toujours un item inaccessible au début de la zone. Je sais pas où aller pour l'avoir. C'est pas grave, on va passer à la suite. Forge. Des forteresses de fer, j'ai trouvé un deuxième feu, moi. Ah bah oui, après le boss. Ok. Alors, mais les streamers Twitch, etc., ils streament console en très bonne qualité. Bah ouais, mais comme j'ai des soucis de connexion, des fois, si ça plante, l'enregistrement est complètement foutu, quoi. Alors que sur les live Minecraft, si ça plante, ça me dérange pas trop. C'est pas un truc suivi avec une progression continue. Minecraft, c'est des lives détentes, donc si ça crache, c'est pas dramatique. Alors que là, sur console, faut quand même que je puisse partager tout, si possible. Bye bye. Garry's Mod, je l'ai acheté, je l'ai pas encore vraiment testé. Apparemment, il y a beaucoup de possibilités. Putain, il est chiant, lui. Putain, mais il est teubé, ouais. Il veut péter le sol. Donc là, par contre, c'est une nouvelle zone que je n'ai pas explorée. M'étais arrêté pas très loin. Je vois pas les dégâts que je lui fais, c'est agréable. Je sais plus, il y avait un feu je crois derrière. Je sais plus ce qui se passe si je fais ça. Il y en a certains qui crament je crois. Mais est-ce que ça condamne pas une partie du donjon de faire ça? J'en sais rien, en tout cas il y a un archer relou. Hop, remonte. Putain. Je sais pas, faut que j'aille regarder comment ça se présente. C'est comme pour marcher sur les braises, je sais toujours pas comment on peut faire. C'est embêtant. Putain, il y a des archers, mais merde. Ça va tomber. Oh fuck you. J'ai vu que ça a bougé, j'ai pas réagi. Ah, ça y est, ça commence. Putain, 17 000 âmes, bordel. Oh là là. Alors pour répondre sur Garry's Mod, le problème c'est que je connais très très peu. Le peu que j'ai vu c'était Squeezie qui faisait des espèces de mini-jeux Murderer, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Après je sais que c'est une espèce de jeu bac à sable où... Justement, le but c'est des modes, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Putain. Puis comme c'est pas un jeu gourmand, je pourrais le streamer avec OBS sans souci. Putain, mais... C'est quoi cette zone, quoi? Tiens. Tiens. Dégage. Alors mes âmes, où sont-elles? Elles sont là, ils les ont mis avant, ok. Ils sont sympas. Ils sont pas trop dégueulasses. Alors pourquoi ça s'est affaibli là? C'est parce que j'ai monté la plateforme une fois? Qu'est-ce que tu fais toi, teubé? What? Ah mince! Je ne savais pas que ça faisait ça. Waouh, je pensais qu'il avait fini. Putain, je me fais tuer par un mec merdique qu'on croise au début du jeu, quoi. Ah putain! Non, mais non, mais non, mais non, mais chut! Putain, je suis en train de prendre ma potion, ils me font chier, là. Sérieux? Putain, ils viennent tous. Et merde. Je suis pas dans le caca. Et par contre, eux, ils tapent dans le mur sans souci, hein, contrairement à moi. Moi, je suis bien merdeux, eux ils en ont rien à péter. Putain, bon si je meurs c'est pas grave, je suis à côté du feu. Ça fait chier quand même. Putain. Non.
Allez, casse-toi. Et merde, je l'ai pas tué en deux coups. Et puis un archer derrière. Non mais... Combo ultime. Et merde, je bois ma potion, fous-moi la paix. Relou, relou, relou. D'accord. Voilà, bye bye. C'est bon, on reprend l'avantage. Moi j'ai pas de PC, ok. Oui, dans ça j'ai lu, par rapport au roleplay sur Garry's Mod. Ouais, y a pas grand monde ce soir. Sniff. Alors est-ce que je peux y aller là? Vu que j'ai pas bougé la plateforme. Apparemment oui. Je crois que c'est parce que j'ai baissé la plateforme une fois tout à l'heure, du coup ça a dû faire péter. J'entends des bruits de chaîne là. Oh punaise, ça sert à rien. Non, c'est un piège de merde. De base. Putain, on tire encore dessus, non mais. C'est pas... Et lui il est dans les flammes, si ça va. J'ai cru qu'il craignait rien. Bouge ton cul. Punaise. Et là, y'a quoi? Y'a déjà un boss? Oh, j'ai 25 000 âmes. J'ai trouvé des amulettes. Amulette, elle est où? C'est pas là-dedans, amulette? Ce n'est pas là-dedans, ok. Bon. Ça, c'est sûrement un boss, donc ça me fait chier d'y aller avec 25 000 âmes. Peut-être plutôt faire autre chose. Non, pourquoi je me suis arrêté? J'ai fait n'importe quoi. Essayez, raccourci. Quoi? Putain, on me tire encore dessus, mais... Mais arrêtez. Bon, on va y aller, tant pis. Quoique non, il me reste que deux fioles, tant pis, vachement. Hop. Je vais plutôt essayer d'explorer un peu. Comme là, est-ce que je peux sauter en face? En théorie ou... En théorie, j'en sais rien. En théorie, ça me paraît bien mal barré quand même. Je me rends pas compte. Est-ce que ça passerait? Sûrement. Ah, quoique là, ça devrait passer. Vu que la plateforme a une autre forme. Par contre, ça crache du feu. Bon, au moins ça tombe pas, c'est déjà ça. Voilà, en deux coups, c'est torché. Allez, hop. On va aller voir par là, j'espère que c'est pas un piège. Non, ça tient, ok. Hop, 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 hop. Ah, purée. Mais l'autre, il me snipe au loin, là. Relou. N'importe quoi. Et pourquoi il y a du sang partout? Oh. C'est quand même bizarre qu'il y ait autant de taches de sang juste pour deux samouraïs. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas autre chose. Regardez-moi tous ces morts là. C'est bizarre. On est combien sur ce? Je sais pas. J'ai pas le truc sous les yeux. Le boîtier me dit que vous êtes 4. Mais le boîtier, des fois, il est pas d'accord avec YouTube, donc je sais pas. Et ça, c'est quoi? C'est un piège? Misérable, mais attention, ennemi redoutable. Olivier le collectionneur, ça c'est un faux. Oh putain. Pourquoi vous venez me faire chier là? Je suis en galère. Wouah, mais qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? Putain, mais il a de la vie! Baratard. Puis il doit faire super mal. Maintenant il passe à main nue. What? Ah non. J'ai eu peur. Bon bah, ce ne fut pas un danger. Générosité. Trophée en or, carrément. Eh bah punaise. Casque de Minotaure. On va regarder ça vite fait. Casque de Minotaure, c'est lequel? C'est celui-ci. Ah, qui est pas terrible. Enfin, le mien, il est quand même bien amélioré. Faut voir. Si ça s'améliore avec des... Ah. Titanite scintillante, ça vaut pas le coup.
Sinon, ça peut être pas mal, je pense. Ça, tous les coups, c'est un Fokov qui va me bouffer. Ou pas. D'accord. Ok, bon, on continue l'ascension. J'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière le brouillard en bas. Une pierre de Pharos. Oubliez ça. Quoi, ça sert à rien? Ton PC, tu l'avais payé combien? Je l'avais payé 1200€. HP Phoenix, j'ai pas retenu la référence. Il faut se calmer. Sinon, je vous crame. Putain, le sort qui marche pas. C'est censé aller cramer les ennemis au loin. D'accord, c'est de la merde. Merci beaucoup. Putain, mais ils sont deux, quoi. Allez, en pleine tête. Là, ça ne doit pas me toucher. Tiens, bâtard. Putain, je crois que je vais y aller au corps à corps. Ça ira beaucoup plus vite. On prend une petite potion. Voilà. Vamos. RAF. Je les laisse tirer une fois quand même. Allez, go. Putain, c'est des grands en plus, putain. Ça va, il a visé comme une merde. Non! Putain. Il y en a un troisième! What the fuck? C'est pas abusé du tout, hein. Voilà, j'ai bourriné, c'est passé. Mais j'ai plus de soin. Jambière. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Encore des jambières, super. Deux fois le même loot. Ah, me dis pas qu'il faut descendre. Pff. Mais où je vais là? C'est un vrai coffre, ok. Grande arche du chevalier noir. Qu'est-ce donc? C'est sûrement une hache à deux mains. Elle pèse 20 kilos, non mais. Laisse tomber. Je vais pas retourner en arrière. J'ai peur de tomber dans une espèce d'embuscade là. Tireur d'élite. Putain, on va se faire canarder. Fais chier. Là, je les vois déjà en bas. Mais où je suis? On va essayer par là. Non, pas par là, apparemment. Ah. Mais what? Je vais où? Ils sont sérieux? Faut que je saute? Salut, salut. Attends, celui d'ailleurs, je lis ton commentaire après. Là, il y a des ennemis en bas, mais ils m'ont pas vu, apparemment. Alors, t'as testé OBS? Ça donne quoi? Bah, ça marche bien. Ça marche bien pour le PC. Après, faut que je tente... pour la console, si c'est possible, d'enregistrer en même temps. Putain, mais me dis pas que je suis censé aller dans la lave. Putain. Parce que là, si je saute, je tombe à côté. Hein. Encore cet endroit. Mais what? Je te l'avais dit. Mais oui. Je me l'avais dit, mais je le sais. Ah, je sais que c'est ce qu'utilise Benzaï, hein, par exemple. Et Benzaï, tu m'excuses, mais son Bloodborne, visuellement, était dégueulasse, hein, par rapport à ce que moi j'ai proposé. Si, sur console, ça marche. OBS peut capter le... Elgato. Donc ça, y a pas de souci. Elgato est développé en partie avec cette fonction. Putain, je sais pas par où sauter. Et le problème, c'est est-ce que moi, je vais pouvoir faire un bel enregistrement en 1080p 60fps en même temps. Bon, je vais tenter le saut merdique. Complètement désespéré. D'accord, ça passe. Ok. Je crois que j'aurais dû aller voir l'autre d'abord. L'autre, il est plus énervé, non? Non. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. D'accord, donc j'ai hésité une minute pour rien. C'est génial. Ça
Parce que le problème, c'est que si je veux... Oh purée, il y a un brouillard. Si je veux streamer et enregistrer en même temps, faut que le PC le supporte, quoi. Donc, je sais pas s'il supportera deux applications en même temps. Sachant que Elgato est vachement sujet aux bugs. Putain, c'est quoi, c'est un piège cet endroit là? C'est quoi ce mur? Oh putain, casse-toi. Putain. Bah tu me saoules toi. D'habitude je te tourne autour, mais là... Et merde. Voilà, ta bouche. Hop, ce serait dommage de crever. Putain, ça sent le caca ici, hein. La peur d'un homme, ouais, y'a personne ce soir. Ah bah oui, y'a personne. Écoute, c'est un mystère. Enfin, y'a un petit peu de monde, mais... moins que d'habitude, est beaucoup plus silencieux. Tirer. Mais bien sûr. Non, je voulais lire le... Mais qui sont cons? Je voulais lire le... Ah! Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Je voulais lire le message. Essayez le piège. What? Oh putain. J'ai l'impression que les murs vont bouger en fait. Wouah wouah wouah. Bonjour monsieur. Merci. Il chale droit devant. Feu droit devant. Et j'ai laissé un brouillard de l'autre côté, punaise. Alors attendez. En théorie, on a le temps de passer. Peut-être. Peut-être pas de ramasser les items. Pourquoi il y a des pics là? Non, on va laisser tomber l'item, je crois. Quoique si je me mets... là, là. Quoi? Pourquoi ça m'a tué en un coup? What? C'est quoi cette arnaque? Oh putain, je suis super loin. Oh, j'aurais mieux fait de tracer. Ah, grosse patate. What? Pourquoi il a bougé comme ça? Il m'a fait un truc bizarre là. Oh putain, vous me saoulez vraiment, hein. Les ninjas là. Oh putain. Venez, on descend de là. C'est une gave de me battre là-haut. Là. Non, je suis en dessous. T'as pas à me toucher là. Quoi? Quoi? Fuck! Non! 27 000 âmes. Hein. Putain. J'ai fait de la merde là. Oh. Oh putain. Oh putain de merde. Bouge ton cul. Oh, quelle idée en mousse. Quoi? Non, vous êtes trop nombreux. Putain. Hop, voilà, fais la tortue, c'est bien. Putain, j'ai oublié qu'il faisait la tortue, donc il y a peut-être moyen de l'utiliser. Un autre avantage. Ah mais j'ai déjà récupéré 12 000 âmes. Donc ça va assez vite quand même. Bon allez, on va voir ce qu'il y a. Sûrement un boss. Youpi. Même pas. Putain, j'ai flippé pour rien. Quoi? J'aurais... Oh d'accord. Pourquoi j'ai fait tout le tour par en haut? Je comprends pas. Pourquoi? Je comprends pas. C'est quoi ce jeu? Putain. Mais j'aurais su, j'aurais sécurisé mes âmes. Pfff. Oh putain, ninja de merde qui me bloque. Casse-toi, je vois rien. Bouge ton cul. Oh putain. Pfff. Putain. Non. Merci. J'ai perdu des âmes débilement là. C'était lié. Et merde. Oh
tais-toi. Putain, je croyais que c'était un boss. Ça me saoule. Je dois dire haha, non, c'était pas la peine. J'avais même pas vu. Yo, salut. Tu peux crier. Non, mais là, je suis à mon stade maximum de rage à peu près. Putain, là, il m'a vu. Casse-toi, et merde. 15 ans. Non! Putain, voilà, bon, super. Non, pas deux fois de suite! Wow, et oh, oh! Se calmer là! Il fait toujours la même attaque, tu peux pas parer là, putain. Et bien sûr, c'est dans un tunnel de merde, donc tu peux pas. Le jeu se fout de ma gueule. Le jeu se fout de ma gueule. Merci. Putain. Bon, là, je trace. J'ai même pas vérifié l'arc. C'était bien un arc. Un arc de foudre. D'accord, ça a l'air un peu merdique. Putain, les pics, je sais pas s'ils peuvent me... devenir dans la tronche. Apparemment, non. Ok, encore toi, mais non, mais... Laisse-moi passer. Laisse-moi passer, grosse patate. Putain. Laisse-moi passer. Ça marche pas? Oh putain, mais c'est pas vrai. Dépêche-toi, feu de merde. Ah, y'a une échelle, j'avais même pas vu. Allez, je grimpe. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Putain, ça va où? C'est quoi cette zone? Essayez combat au corps à corps. What? 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 The fuck? Fallait que je cours à l'échelle. Oh putain. Essaye attaque. Il n'y a pas besoin d'attaquer. Pourquoi ils nous disent d'attaquer? Tu passes vite fait, ça passe. J'ai pas compris là. Pourquoi ils nous disent d'attaquer la statue? C'est des trolls, c'est pas possible. Quand même du feu partout. Hein. Un feu de camp! Ouh. Oh là là! Pff, salut à tous, je viens d'arriver. Salut. Alors, Bloodborne, trop facile. C'est pas la même difficulté. Non, Bloodborne, tu crèves quand même, attends. Les boss sont plus compliqués, je trouve, quand même, sur Bloodborne. Les boss sont un peu plus recherchés. Là, le danger est un peu plus partout, on va dire. Vision de désespoir. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a désactivé les pièges? J'en sais rien. On recharge. Je vais aller consommer mes âmes aussi, là. Parce que je suis sûr qu'on arrive au boss. Un dragon ultra badass ou je sais pas quoi. Putain. Bloodborne est quand même plus simple, si. T'as moins de raison de rager. Et surtout, l'invocation de joueur est quand même plus facile. Et encore, cette version est plus dure que celle à laquelle t'as joué, apparemment. Je dis bien apparemment, parce que j'ai pas testé. Il me faut quasiment 15 000. Est-ce que j'ai assez d'âmes? Ah, tant que t'es là, Subdur. Si tu pouvais m'aider. Y a un mec qui me demande de lui donner des sous. Enfin, des sous, des âmes. Pour poser une échelle. Mais il n'y a pas un montant exact. Faut lui donner le max ou pas. Parce qu'à chaque fois que j'essaie, je meurs. Donc. C'est lui là, placer échelle. Et si je mets 500, hein, 3500 ou 12000. Je sais pas. Si tu peux juste m'aiguiller là-dessus, si 12000 ça vaut le coup. Ou si 500 c'est suffisant. Mais ça se fera au pire après le boss. Là, je vais prendre un niveau. Niveau sup. Un peu d'endurance aussi. L'endurance, elle me manque trop. Dès que je dois me protéger ou qu'il y a plusieurs ennemis, c'est la cata. Allez hop, voyage, forteresse de fer. Idole. Deigil.
On y retourne. Et on va voir ce qui se cache derrière le brouillard. Je me rappelle même pas l'avoir fait. Ok. Bon bah pire, je donnerai 12 000. Parce qu'à ce stade du jeu, 12 000 c'est pas énorme. Et du coup, apparemment ça a bien désactivé tous les pièges. C'est parfait. Mais alors pourquoi les gens nous ont dit de taper là-dessus? Mais en tournant à côté, j'aurais esquivé hein, en même temps. Bon, bref. C'est passé. Hop. J'ai les qui me gratte. Et c'est comme ça là, c'est quoi ça? Des vrais pièges? Mais en fait, je suis mort plusieurs fois pour rien quoi. Est-ce que j'appelle directement le joueur? Ou est-ce que j'essaye en solo? J'ai bien envie de tester en solo d'abord, mais bon. Je pense que je vais pas y arriver. Mais juste pour le swag. Voilà, quand il y a de la place. Et que je stresse pas comme un porc. Ça va beaucoup mieux. Allez, on va aller voir ce qu'il y a par là-bas. Putain, c'est super calme. Oh putain. Ouais, j'ai envie d'aller d'invoquer le joueur. Mais s'il voit que je suis un gros noob et que je fais nimp, y a pas de mur là, non. Non, je vais y aller d'abord une fois. Oh putain. Tellement prévisible. Ah quoi que non, c'est pas un dragon. Qu'est-ce que c'est? Comment je suis censé combattre ce machin qui a l'air de faire 15 mètres de haut? Putain. Pff, vieux roi de fer. Mais regardez, on n'a pas de place. C'est quoi ce délire? Ok monsieur. Bon, il a pas l'air d'être vraiment full life. Enfin full life. Plein de vie, oui, enfin on comprend. D'accord, là le bouclier ne sert à rien. Ok. Tu as vu, on dirait Diablo. Sûrement. Je sais pas trop à quoi ressemble Diablo. Putain, je rappelais un joueur mais... Ça aurait été torché. Enfin, je dis ça, mais il a sûrement une phase de merde où il va devenir ultra relou. Ou alors moi je vais faire de la merde, je vais tomber dans la lave. Là, la caméra est pas optimale. Soit tu vois pas le sol, soit tu le vois lui. C'est un sacré dilemme. Qu'est-ce que tu fais, monsieur, là? Wow, wow, wow. Il faut se calmer. Merde, j'aurais pu taper, j'aurais pu taper. Merde! Nya! Nanana. Allez, on est gourmand. Non, on aurait pas dû. What? Merde. Ok. Merci de me laisser le temps de boire. C'est gentil. Wouah! Wouah! Stop! Stop! Ça fait quoi si je vais là? Il s'énerve, il crache du feu et je meurs du coup d'un coup. What? L'arnaque? Non! Non! Putain. J'en étais sûr que c'était une idée de merde, mais je l'ai fait quand même. Mais logiquement, il aurait pas dû me faire ça, là. Putain, ça passe à travers le mur. Bon, je pense qu'il est très facilement prenable, hein. Première tentative, je lui ai enlevé plus de la moitié de sa vie. J'aurais pas fait cette merde. Ça se trouve, ce serait passé. Putain, on va invoquer quelqu'un. Il n'y a rien à péter. Allez hop. Quatrième tentative je crois. Je vais me concentrer sur cet enfoiré. Qui commence par une attaque de merde, qui va one shot le tracker. Ou pas. Mais il fait ça en boucle. Là je peux pas esquiver là. Je lui fais encore une fois moins de dégâts, donc j'ai l'impression qu'avec la première tentative où il prend masse de dégâts,
Et j'ai pas équipé les autres gemmes. Ça fait chier. Un petit coup, vite, 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 oui. C'est bon, là, ça descend vite. Putain, il refait ça, mais non, mais... C'est bon, ça passe. Oh, putain. Voilà, il a pas d'attaque trop chiante encore. On a vu pire. Ok, je passe à travers complètement, ça me dérange pas. Ok, ça passe. Putain, mais il continue avec son feu de merde. Mais stop. What? Wouah, pourquoi parle dans le dos? Pourquoi je me suis fait toucher dans le dos? C'est quoi cette merde? Et il fait toujours la même? T'es un peu teubé, mon gars? Oh putain. Oh putain. Pas de dégâts, j'aurais pu l'attaquer, le tuer peut-être, mais bon. J'ai préféré me soigner. C'était peut-être une erreur. Il fait encore la même attaque. Alors elle est assez facilement esquivable. Le problème c'est que si tu te rates, t'es propulsé. Allez! Il est pas mort? Si, il est mort. Le boss c'est pas compliqué, hein. Vieux roi de fer. Ok. Et c'est bon. On m'a quand même bien aidé le faux spectre. Là, il y a un coffre. Me dites pas que c'est un faux. Hein. Sinon, je pète un plomb. Non, ça va. Putain. Objet pétrifié. Ok, ça sert à ramener au nid. Tous like maintenant. Ok, c'est cool. Ça monte. Hop, on va se reposer au coin du feu. Ah, prime feu rallumé. Ok, donc ça veut dire que c'est là une fin de zone, je crois. Je vais juste aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Non, te téléporte pas! Mais non, mais... Putain, je veux juste que tu te reposes. Surtout que ça me ramène et c'est tout. Je suis obligé d'y retourner à pied, il y avait quelque chose après je pense. Alors avant de vous quitter, on va juste vérifier ça quand même. Il y a sûrement encore un coffre, j'espère en tout cas, parce que j'ai vu qu'il y avait une salle, ça c'est sûr. Hop, on va vérifier, et puis j'y vais avec mes âmes, comme ça si je me rends en route, je repère tout. Salut les gens, salut. C'est très logique. Soso, pourquoi tu mets les scènes... C'est pas des scènes porno, c'est des romances, c'est pas la même chose. Parce que c'est moi avant que je fasse des vidéos, je sais que sur Dragon Age 1 par exemple, c'est des scènes que j'aurais aimé trouver facilement sur le net. Parce que t'as plein de persos et... Hop. Moi j'avais fait une voleuse. Donc j'avais pas pu avoir les romances avec tout le monde. Et c'était des scènes qui m'intéressaient. Juste pour voir comment c'était foutu quoi. Donc je me dis que ce genre de scènes, bah, je préfère les isoler et les mettre... En ligne quoi. Après c'est pas du porno. C'est de la romance. Enfin moi j'appelle ça des romances. Hop hop. Du coup, c'était par là, j'ai pas intérêt à me vautrer avec mes 43 000 âmes. Hop, c'était juste après le feu. Normalement il y avait encore quelque chose. J'avais oublié qu'on était téléporté automatiquement avec un prime feu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Oh my god. Wouah les gens, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas où je suis. Donc je vous dis ben merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut.